Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis Claire Vivet, je suis sociologue au Centre d'études de l'emploi et du travail. Là, je vais vous parler de contrôle, mais je travaille aussi sur l'indemnisation et les questions d'emploi court. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là parce que j'avais beaucoup entendu parler de ce projet à différentes étapes, notamment par Laure et Tristan, et donc je suis contente de vous entendre. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mieux le contrôle que moi ici, donc ils vont compléter tout ça. La spécificité de l'angle, peut-être que je vais essayer de défendre par rapport à ce qu'on a déjà dit sur le contrôle, c'est de voir finalement qu'est-ce que deviennent ces outils numériques lorsqu'ils sont utilisés et pour... casser le suspense, je vais un peu aller dans le sens de ce que vient de dire Marion sur le fait que effectivement, ils rendent possible ce traçage dont il a été question. Donc voilà, pour vous dire que je ne travaille pas toute seule, une petite page de pub. Et je travaille aussi donc, sur un autre projet avec Laure, Tristan, Claire Magor et Luc Sigalo-Santos. Donc, là, je vous parle de contrôle tel qu'il se pratique donc depuis 2016. Jean-Marie l'a dit déjà, c'est-à-dire c'est un contrôle à distance, d'où le rôle encore plus grand des outils numériques liés à cette distance. Et je vais essayer de comprendre, on va essayer de réfléchir à ce que cette manière de contrôler fait à l'accompagnement des inscrits. Donc d'abord, voilà, je vais vous parler un peu de l'histoire de déploiement de ce contrôle. Ensuite, rentrer un peu plus précisément sur comment se déroule un contrôle. Et après, pour finir, essayer de voir les conséquences donc, de ce contrôle à distance. Il me semble que, avant tout, je voulais faire une sorte de préalable, parce que ce n'est pas du tout les questions qu'on se pose aujourd'hui, mais il me semblait que c'était quand même important. Le premier élément, c'était de dire que ce qui ressort du contrôle, c'est que les demandeurs d'emploi sont en très très grande majorité en recherche active d'emploi. Et donc là, c'était les chiffres de taux de radiation, hein, on est à peu près entre 14-15%. Et après, un autre élément, c'est que le contrôle n'a pas d'effet avéré sur le retour à l'emploi durable. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous montre ces chiffres là ? C'est parce que, à mon avis, le discours sur le contrôle est de plus en plus présent. Les orientations, c'est de faire de plus en plus de contrôle. Et il me semble que, sans être une preuve, c'est un élément qui va dans le sens du fait que contrôle et accompagnement deviennent aujourd'hui complètement intriqués. Et que finalement, le contrôle devient une composante de l'accompagnement, d'où le fait. Enfin, et finalement, ce qu'on attend du contrôle, c'est pas qu'il aide. Enfin, c'est pas que. C'est pas parce qu'il est pas efficace dans le retour à l'emploi durable qu'on doit l'arrêter. Enfin, c'est dans leur optique, dans leur optique, quoi. Voilà, ça c'était juste une sorte de préalable, même si on ne va pas trop parler de ça. Donc là, revenir rapidement sur comment le contrôle de la recherche d'emploi tel qu'il est pratiqué aujourd'hui s'est déployé au sein de Pôle emploi. Alors, finalement, l'activation, elle n'a pas pris les mêmes formes dans Pôle emploi entre tout au long de son existence, entre 2009 et 2023-2024. C'est-à-dire qu'à la naissance de Pôle emploi, la représentation de l'activation efficace, c'était d'avoir dans les mains d'un même conseiller... dans les mains d'un même conseiller, l'accompagnement, l'indemnisation, le contrôle. Et donc, l'activation, finalement, elle devait naître de cette relation-là, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer. Ça a été très très vite abandonné, et finalement, depuis 2016, on est dans l'exact opposé, c'est-à-dire qu'on a un conseiller par mission, mais par contre, les outils
numérique, enfin l'espace personnel, tout ce qui est dossier, enfin pas que l'espace personnel d'ailleurs, les outils numériques de Pôle emploi sont chargés aussi d'assurer la communication des informations pour que cette activation ait lieu alors même que la personne, elle n'a pas les informations, enfin en soi, elle n'est pas censée avoir toutes les informations elle-même, quoi. Et autre élément de contexte, mais ça aussi, ça a été déjà signalé, c'est un peu l'approche générale du développement, du développement de la digitalisation à Pôle emploi. Alors, je dois avouer que moi, je fais un usage beaucoup moins rigoureux que vous entre numérisation, digitalisation, bref. Là, j'ai dit digitalisation, je crois que ça colle, mais peut-être pas. Donc, la digitalisation à Pôle emploi, elle s'est développée à la fois à destination des agents, donc les outils qu'ils utilisent dans leur travail, et à la fois à destination des usagers, avec un cap donné qui est finalement très budgétaire. C'est-à-dire que face à l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, il fallait, à effectif constant, personnaliser la relation. Et là aussi, il y avait un autre mythe, c'est pas le même mythe que Laure a mentionné, mais pour moi, c'est un mythe un peu de même nature. Cette personnalisation, elle allait pouvoir passer par le numérique. En tout cas, et puis j'ai l'impression que, j'allais dire, pour toute une partie des demandeurs d'emploi, et les autres, je crois qu'on les a un peu oubliés. Ce numérique, il se développe avec ce cap et dans ce contexte. Donc, c'est pas propre au contrôle, mais le contrôle va venir s'insérer là-dedans. Je souscris parfaitement à ce qui a été dit précédemment sur le fait que pour personnaliser à effectif constant, ça repose sur le travail du demandeur d'emploi, mais qui peut se retourner contre lui et devenir un outil de contrôle. Ça, je valide tout à fait. Je suis moi aussi d'accord avec ça. Le déploiement du contrôle, en gros, c'est même là, j'ai mis 2015, mais les premières expérimentations, c'est 2013. L'idée, c'est vraiment au moment où le contrôle se met en place. Donc, il y a l'idée, évidemment, que cette mission, qui doit être une des missions du service public, a été abandonnée dans le post-fusion et qu'il faut contrôler, avec déjà le discours sur les pénuries de main-d'œuvre, beaucoup moins présent qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà ça en arrière-plan. Et la direction générale de Pôle emploi veut renforcer cette mission de contrôle, enfin la réaliser, et le conçoit comme directement lié à l'accompagnement. Il faut avoir en tête que dans la convention tripartite, je crois que c'est celle de 2017, si je ne dis pas de bêtises, on présente le contrôle comme un droit du demandeur d'emploi. C'est assez difficile à justifier. Ça demande un exercice mental, mais c'est quand même pour montrer jusqu'où on est allé, quoi. C'est-à-dire, finalement, ils reconnaissent qu'ils oublient un peu les demandeurs d'emploi dans les portefeuilles, et que donc, quand ils sont contrôlés, c'est une manière de leur montrer qu'on pense à eux. Donc, le contrôle, l'idée, c'est de contrôler à distance, c'est-à-dire de mettre en place le contrôle sur des plateformes, des services dédiés, la raison à ça, c'est de contourner les résistances attendues des agents et des organisations syndicales de Pôle emploi. Donc, on fait le choix de ce déploiement sur des plateformes, d'abord de manière expérimentale et limitée, puis on va tripler les effectifs. En 2018, avec 600 contrôleurs, contrôleuses. On est à peu près à ça aujourd'hui, mais par contre, il y a un objectif d'augmentation des volumes. Donc là, je vous ai mis, pour que vous voyez l'augmentation des volumes, donc qui montre que le contrôle s'est vraiment diffusé au sein de Pôle emploi. C'est un objectif politique. Il y a déjà un objectif de 600 000 qui, à mon avis, sera dépassé pour 2024. Et Attal avait annoncé un triplement en 2027. C'est un peu la course à l'échalote, mais bon.
Tout ça à effectif constant et avec, je vais y revenir plus tard, une attente très forte sur les outils numériques. J'ai perdu mon chrono. Merci. Maintenant, je vais vous dire rapidement comment se déroule un contrôle. D'abord, donc, il faut savoir que les conseillers-conseillères n'ont pas le choix. N'ont pas le choix des dossiers qu'ils contrôlent. J'y reviendrai à la fin parce que la discussion sur la question des algorithmes ou pas m'a interpellée. Donc, les contrôleurs-contrôleuses, j'aurais peut-être dû commencer par ça, signe que vraiment c'est pensé comme une composante de l'accompagnement. Il y a à Pôle emploi différentes spécialités pour les conseillers et les conseillers qui contrôlent font partie de la spécialité accompagnement. L'autre spécialité, c'est indemnisation et l'autre encore, c'est entreprise. Les conseillers qui contrôlent sont des conseillers accompagnement. Et en fait, quand ils ouvrent un dossier, enfin pour le dire comme ça, ils ont un identifiant de demandeur d'emploi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir à la fois l'espace personnel et toutes les données, alors je ne suis pas aussi précise que l'or, disponibles sur le demandeur d'emploi, notamment les comptes rendus d'entretien avec le conseiller qui fait un suivi. Ils peuvent aller voir des éléments d'indemnisation. Ils ont accès en tout cas à l'ensemble des données et effectivement, pour aller dans le sens de ce qui a été dit sur le traçage, si le demandeur d'emploi utilise son espace personnel, il a, pour le dire comme ça, il a plus de chances d'être reconnu en recherche active que s'il ne l'utilise pas, quand bien même il serait en recherche active. Donc le conseiller, la conseillère va jeter un premier coup d'œil transversal à toutes les données dont elle dispose. Elle peut éventuellement clore le contrôle, la clôture lors du premier examen. Elle a souvent lieu pour les personnes qui ont travaillé en fait dans les trois derniers mois. Enfin maintenant c'est trois mois. Sinon, elle va poursuivre le contrôle. Alors, la procédure a évolué. Je ne rentre pas trop dans les détails sur le fait que son application est assez variable d'une région à l'autre, d'un conseiller à l'autre. Ça pose plein de problèmes juridiques, mais voilà. Et ensuite, donc, il peut y avoir invitation téléphonique, mais en fait, le demandeur d'emploi est absent lors de cette invitation, il peut recevoir un avertissement avant sanction. Et si l'entretien a lieu, il y a un échange entre le demandeur d'emploi et la conseillère, et il faut que le demandeur d'emploi fournisse des preuves matérielles de sa recherche active. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'une preuve, combien il en faut, bon, là, Tristan serait plus qualifié. Et c'est là aussi très variable selon les conseillers. Et à l'issue de cet échange, donc, le demandeur d'emploi est censé envoyer des preuves, bon, ou alors la conseillère peut conclure soit au besoin de redynamisation, soit à la sanction directement après l'échange. Voilà comment se déroule un contrôle. Donc, il faut savoir que cet entretien téléphonique n'a pas systématiquement lieu parce que il peut être pour différentes raisons empêché. Donc, si l'échange n'a pas lieu, la décision sur le contrôle ne se fait qu'à partir des données disponibles dans le système d'information de Pôle emploi. Voilà, alors là, je vous ai mis la procédure, ça c'était avant 2021, puis la deuxième, le maintenant, c'est en fait un maintenant qui est déjà périmé, qui était après 2021. La seule chose que, la raison pour laquelle j'ai voulu vous montrer ça, c'est pour vous montrer, mais j'y reviendrai, que le raccourcissement, en fait, le raccourcissement de la durée, de contrôle, qui est ce qui va permettre l'augmentation du volume de contrôle réalisé à effectif constant, joue contre le demandeur d'emploi. Et là, donc, en fait, c'est pour ça que
les objectifs politiques qui consistent à donner toujours plus de, enfin, à donner des objectifs de contrôle à réaliser de plus en plus grands à effectif constant, voilà, jouent contre les demandeurs d'emploi. Le contrôle de ce fait, du coup, ça veut dire aussi que l'enjeu d'avoir des traces de recherche active dans l'espace personnel est encore plus grand, puisque ce sont des preuves déjà présentes. Sinon, le contrôle s'apparente de plus en plus à une forme de flicage, parce que nous, quand on a travaillé sur les conseillers et les conseillères en charge du contrôle, ce qu'on a montré, c'est que pour beaucoup d'entre elles, elles concevaient vraiment le contrôle comme un accompagnement, parce qu'elles elles investissaient beaucoup cet échange téléphonique. Et elles disaient que voilà, c'était un moment... Elles insistaient sur l'échange, le fait que c'était une manière d'avoir des informations que des fois les conseillers, conseillères n'avaient pas. Bon, tout un discours très positif, mais que je ne mets pas du tout en doute, en cause sur cet échange téléphonique. Sauf que là, la tendance, c'est quand même à le... en tout cas, à le raccourcir avec même parfois des orientations, enfin des directives pour le, voilà, vraiment pour dire vous devez faire des échanges téléphoniques de maximum tant de minutes. C'est pas écrit, mais ça peut être dit au sein de certaines équipes. Quels effets, enfin, qu'est-ce qu'on peut identifier comme effet spécifique du fait que ce contrôle est réalisé à distance? Déjà, y a toute la question des problèmes de compréhension, que ce soit maîtrise de la langue française, mais j'ai envie de dire maîtrise du service public de l'emploi. C'est-à-dire que pour les usagers et les usagères, c'est pas du tout clair qui les appelle, en fait. Enfin, par qui ils sont contrôlés, c'est quoi la différence entre le conseiller accompagnement, le conseiller contrôle. Bon, il y a toutes ces incompréhensions. Ensuite, le fait que l'usage qui est fait notamment de l'espace personnel dans le contrôle conduit à ce que certaines formes de recherche d'emploi soient davantage valorisées que d'autres. Quand bien même, on sait que pour l'emploi non qualifié, encore plus qu'ailleurs, les canaux de recherche d'emploi les plus efficaces sont les canaux informels. On sait très bien que pour être manœuvre dans le bâtiment, c'est pas la peine d'écrire une lettre de motivation et de répondre à une offre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il y a plein d'autres. On pourrait prendre plein d'autres exemples. Et pourtant, cette manière de contrôler incite à utiliser ce type de canaux. Évidemment, ce contrôle qui est un contrôle des comportements, les demandeurs d'emploi n'ont pas du tout tous les mêmes ressources pour faire face à ce type de contrôle. Et autant, on voit bien comment, pour certains demandeurs d'emploi, quand bien même ils ne chercheraient pas, ils pourraient, par certains discours, certaines réponses, ne pas être inquiétés. Au contraire, d'autres qui sont en recherche ne vont pas être en mesure de, ou qui ont d'autres difficultés, vont pas être en mesure de le prouver. Alors là, je vous ai reproduit, c'est pas intégral, mais le questionnaire qui est envoyé aux demandeurs d'emploi au moment où un contrôle est déclenché. Il me semble que ça illustre un peu tout ce que j'ai dit sur les questions de crainte, d'incompréhension, de valorisation des canaux formels par rapport aux canaux informels. Alors, je ne sais pas trop ce qui... Ah non, vous voyez rien du tout. Pardon. Vous voyez un petit peu. En gros, là, le questionnaire n'est pas entier. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 8 pages, non ? Enfin, c'est assez... 6 pages. C'est 6 pages... Et on peut imaginer le demandeur d'emploi qui répond non à toutes les questions, j'utilise les sites internet, non, j'utilise les réseaux sociaux, non, j'utilise des applications de recherche d'emploi, non, il se dit, bon, quand je vais me faire appeler, qu'est-ce que je vais raconter, quoi. Enfin, et donc, voilà, c'est vraiment ce...
Là aussi, beaucoup de contrôleurs, de contrôleuses signalent le caractère complètement décalé et inapproprié de cet outil. Moi aussi, je vais dépasser. Voilà, là, je vais revenir, mais sur une idée que j'ai déjà développée. En fait, comme l'a mentionné Laure, d'ailleurs, dans sa présentation, ce contrôle à distance, c'est aussi un contrôle qui est très plastique aux variations des politiques d'emploi. Enfin, à vrai dire, elles ne varient pas vraiment, parce que la tendance est la même. La seule chose qui varie, c'est les objectifs chiffrés. Mais c'est vrai que ça permet de augmenter le nombre. Ça permet aussi de donner une place accrue. Il y a deux choses qui sont des priorités, enfin deux choses, deux types de demandeurs d'emploi qui sont particulièrement ciblés par les contrôles maintenant. Ce sont les demandeurs d'emploi inscrits sur des métiers dits en tension, où là, on voit, on est à plus de 200 000, c'est-à-dire quasiment la moitié des contrôles réalisés en 2023. Et un autre objectif prioritaire, ce sont les signalements. Alors, malgré le caractère prioritaire, la Direction générale de Pôle emploi n'arrive pas à atteindre ses objectifs parce que y a des résistances de la part des conseillers, et aussi parce que, comme les demandeurs d'emploi sont en recherche active d'emploi ou bien ne sont pas accompagnés, c'est compliqué de les signaler. Voilà, cette réalisation de contrôle à distance peut parfaitement s'accommoder des évolutions des objectifs politiques, avec, comme je le disais, le fait que on est de plus en plus dans des situations binaires. Le demandeur d'emploi cherche, il ne cherche pas. Et d'ailleurs, pour répondre à une des remarques de Pierre, je voulais signaler que dans les expérimentations de CRE rénovées, il a à un moment, alors j'ai des échos différents selon les régions, mais à un moment, il était plus possible pour les contrôleurs-contrôleuses qui contrôlaient un demandeur d'emploi suite à un signalement de mettre remobilisation. Il devait mettre soit recherche active, comme ici au contrôle, soit sanction. C'était plus possible, en fait, d'aller à la remobilisation, ce qui va dans le sens de ce que tu signalais. Donc, apparemment, là aussi, il y a eu des résistances de la part des conseillers. Donc, je ne sais pas si ça va être conservé, mais en tout cas, c'était vraiment ça, l'air du temps et les priorités qui étaient données. Pour faire face à l'augmentation des... l'augmentation des contrôles à l'avenir, et notamment dans le cadre de France Travail, une des pistes retenues, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la consultation des données. Donc justement, enfin, et je pense que ça va dans le sens aussi de ce que tu signalais, Laure, c'est-à-dire que comme il y a énormément de données disponibles, l'idée, c'est vraiment de pré-mâcher, pour le dire comme ça, le travail des conseillers, des conseillères en utilisant l'intelligence artificielle. Alors bon, je sais pas trop, j'ai pas d'informations plus précises, mais c'est un peu ça. Alors là, juste pour vraiment, je conclue. Dans France Travail, mais ça mériterait sans doute un traitement approfondi, ce qu'il faut retenir peut-être, sans tout développer, c'est que les services de contrôle de la recherche d'emploi vont avoir une nouvelle mission qui est ce qui s'appelle en interne de Pôle emploi la gestion de la liste. C'est-à-dire qu'avec la loi Plein Emploi a supprimé la gestion de la liste. Alors, c'est sans doute pas juste juridiquement ce que je dis, parce que ça, c'est peut-être pas dans la loi, mais ce sera dans des décrets. Mais a supprimé la radiation automatique, par exemple, pour absence à entretien. Et donc, Ça va passer au creux, mais avec des grandes questions sur comment vont-ils faire pour absorber cette augmentation de dossiers à contrôler. Donc l'IA va nous sauver. Là, il y a des expérimentations qui ont été lancées dans différentes régions pour accélérer les procédures, en fait. C'est ça l'objectif général. Merci pour votre attention.